3B101. Et c'est au niveau de quel... C'est hall 3. 3. On a réservé 24 mètres carrés. Mm-hmm. En réalité, on a 19, je crois, non ? On a 19. Ouais. Donc, on est sous le pôle donc des régions, donc région Nouvelle-Aquitaine, tout seul parce qu'on n'a trouvé personne sur l'île qui voulait nous accompagner en tant que viticulteur. Donc, c'est vraiment le groupement Les Huîtres de l'île de Ré qui a pris le stand. Et donc, dans la pratique, on va se relayer tous les adhérents du groupement. On va se relayer pendant les 10 jours. On prévoit d'avoir 6 personnes tous les jours sur le salon parce qu'on va faire de la dégustation. Donc c'est Didier et Jana qui vont nous faire l'ouverture. Donc ça va faire partie des choses à déterminer dès les premiers jours du salon. Est-ce que c'est trop, est-ce que c'est pas assez? Donc ça voilà, on va un petit peu... On va s'adapter. Ouais. On a deux objectifs. Donc pour l'instant, donc on a déposé un dossier d'aide à la CDC. L'objectif, c'est d'arriver à autofinancer tous les frais que vont engager le salon. Donc pour ça, on va faire de la dégustation sur place. Et en parallèle, communiquer sur notre marque. Le groupement va proposer la soupe de poisson de Rémi Massé. Et la contrepartie, il va nous faire un petit peu le show autour des huîtres chaudes. Donc on va aussi proposer sur le salon dégustation d'huîtres chaudes. On ne sait pas trop où on va en dégustation. C'est une première pour tout le monde. Et donc on va mettre les produits d'ici en avant. Alors on va parler du Pinot, du Doré. J'en mets des algues de Rive Saline. On emmène du sel. Et donc les huîtres. Donc en une recette, on va parler de quatre produits qui sont vraiment à forte empreinte traitesse, quoi. On est là aussi, qu'on fait des huîtres aussi, des bonnes huîtres, et qu'on nous écoute, qu'on nous entende, qu'on nous voit. Elle a été créée pour essayer de valoriser un petit peu nos huîtres. Cette association APHRE est là pour défendre l'appellation huîtres de l'île de Ré.